Salut, c'est Ryu67. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, ça fait longtemps que j'ai plus fait une vidéo là. J'avais pas trop le temps. Hein, voilà, on a aussi une vie privée du coup. Là j'ai pu sortir un petit peu. Donc là, je suis près d'un lac que j'avais déjà fait et que je fais tous les ans. Bon là, on voit pas bien, il fait encore nuit. Hein. Le jour, il est en train de se lever, hein, mais le lac, il est juste en face de moi, mais on voit pas. Donc du coup, je vais attaquer le lac et peut-être la plage aussi. On verra si j'ai le temps. Ça sera peut-être une deuxième partie, la plage du coup. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Allez, à tout de suite. Voilà, moi je suis déjà dans l'eau, comme vous voyez là. J'ai pris la T-Gold. Ça fait déjà 15-20 minutes que je suis là et il n'y a toujours rien. Je suis étonné. Dans l'eau, il n'y a rien encore. Donc on verra, hein. Si je trouve quelque chose, je rallumerai. Allez, à tout de suite. Donc là, j'ai eu un son, ça a sonné, j'ai déjà creusé. Parce que dans l'eau c'est pas évident. Alors, j'ai l'impression que c'est une cochonnerie. Et puis les cailloux là. Ah ouais, c'est là. Ouais, c'est ça. Un petit morceau de canette bien coupant. Et ça c'est dans l'eau les gars. Donc vous imaginez si vous baignez et vous coupez avec ça quoi. Ouais. Fini la baignade, direction l'hôpital. Voilà, donc ça va à la poubelle. Allez, à tout de suite. Donc là, j'ai un son super aigu. Je sais pas si vous entendez. Un indice à 78. Donc ça peut être pas mal. Moi, j'ai essayé de vous faire un direct sans que ça soit trop long. On va essayer. Un chien juste derrière moi. J'espère que le chien il va pas me croquer là. On va voir si j'ai eu la cible. Non. Je crois que c'est sorti. Non, il est là. C'est vraiment pas évident hein, dans l'eau. On va essayer une fois. Je pense que je l'ai eu là. Ouais, j'ai l'impression que ça. Ouais. Ça sonne plus, ça doit être dans la pelle. Je sais pas ce que c'est. Ah, oh, je crois que j'ai bien un truc grillé là. Là au fond, regardez là. Là. Regardez. Yes! Une bague. Trop bien. Trop bien. Je m'en doutais, hein, ça sonnait très bien. Une petite bague. Une petite chevalière, on dirait. Je sais pas si c'est en argent, peut-être. Je sais pas, on verra au nettoyage. Hein. Ah, je suis content. Bon, on va continuer, hein. C'est cool ça. Regardez. Moi j'ai déjà fait tout ça là-bas, dans le profond, après j'irai dans le bord quoi. On verra. Ah, il me reste encore ça là-bas à faire et de l'autre côté. Ah cool. Bon, allez. On va continuer. Hein. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai un son 70-72 à cet endroit-là. Je sais pas si vous entendez. Voilà. On va essayer un petit live. Allez, c'est parti. C'est profond. Hein. Oh punaise.
presque de l'eau qui rentre dans la combi là. Ah, si l'eau rentre dans la combi, je suis fini là. Alors, on va voir si c'est sorti. Ah, c'est pas sorti. C'est toujours pas sorti. C'est ici. On va essayer là. Ça a l'air d'être ici. Allez, c'est parti. Dans l'eau, c'est vraiment pas la joie. Hein. Mais bon, on fait de belles trouvailles. Vas-y maintenant. Hein, il est toujours dans l'eau. J'ai l'impression que j'ai juste déplacé. Alors. Ça a l'air d'être là. Si je mets trop de temps, je coupe la caméra et dès que je l'ai, je rallumerai. On va voir si je l'ai là. Voilà. Catastrophe. Non. Non, j'ai toujours pas vu. Je vois plus rien là, l'eau elle est toute sombre. On essaie encore une fois. Non, je suis dessus là. Ça devrait être bon là. Je ne sais pas, on va voir ça maintenant. Voilà, je crois que je l'ai pris. Ça y est, enfin. Allez, on va voir ça tout de suite. Je sais pas ce que c'est, on verra. Hein. Plus l'eau elle pue comme tout. Ça se voit que les canards elles se flottent bien dedans. Apparemment je l'ai, hein, mais je vois pas trop ce que c'est. Des coquillages. Je sais pas. Ah si. Une monnaie. 10 centimes d'euros. Voilà. C'est ce qui sonnait. J'ai galéré mais j'ai trouvé. Allez, à tout de suite. Donc là j'ai un son. 72-71. Je creuse une fois et si je l'ai pas, ben j'éteins et je reprendrai après. Quand c'est dehors. Donc ça doit être vers là. C'est bon, j'espère que c'est dans la poche. Alors, ah bah c'est, je l'ai eu du premier coup, c'est un miracle, hein. Moi je vous le dis. Allez, on va voir ça ensemble. Ça va être la surprise, ça j'aime bien, ça c'est une surprise comme ça. Alors, c'est quoi? C'est quoi cette fois-ci? Encore 10 centimes, j'ai l'impression. Ouais, encore 10 centimes, elle est un peu plus jolie celle-là. Voilà, 10 centimes. Allez, bientôt je pourrais aller boire un café. Allez, à tout de suite. Bon, là j'ai eu un son. Ça a bien sonné et du coup j'ai trouvé là. Bon, ça se passe au fond. Là, juste ici, une petite pièce. Je sais pas ce que c'est. J'ai une petite pièce. Alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est. On verra ça en nettoyant. Ah, c'est un demi-franc. Ouais. Un demi-franc. Dans les années 90, quoi. Ok. Bon, c'est bien. Allez, on continue. À tout de suite. Bon, ben, il commence à pleuvoir. En plus, ils ont prévu des orages aujourd'hui. Donc, si je vois que ça commence à gronder, ben, j'arrêterai là. Hein, du coup, hein, ça serait dommage. Mais bon, voilà. Allez, on va continuer.
avec les petits amis, les canards qui sont juste là. Allez, à tout de suite. Donc là, j'ai eu un son à l'instant, là, je l'ai dans l'appel. Regarde, je sais pas si vous voyez tous les poissons là, mais il y en a énormément juste là. Il y en a une centaine là, c'est abusé. Bref, on va voir ce qu'on a dans l'appel. J'avais un son à 90, ça peut être pas trop mal. Ça veut dire quelque chose de très conducteur. Ah ben voilà. Je sais pas, vous voyez au fond de la pièce là. Elle est juste là. Ouais, c'est du cuivre. Hein. 5 centimes d'euros. Voilà. Ça c'est signe que c'est très conducteur. Alors là c'est du cuivre. Donc voilà. Bon, bah on continue. Hein. Allez, à tout de suite. Donc là je viens d'avoir un son à 50, 55. Donc je l'ai dans la pelle, on va voir ce que c'est là. Il y a encore plein de gadou dedans. Donc, je pense que ça sent la cochonnerie, hein, je pense. On va voir ça. On va voir ça ensemble. Alors. C'est ce qui a sonné. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Un petit morceau de métal pointu. Je pense que c'est. Ça, ça va à la poubelle. Hein. Allez, à tout de suite. Bon, là, j'ai eu un son. Je me suis rapproché du bord maintenant, du coup. Ouais, ben, y a un monsieur qui nage vers là-bas. Je fasse attention au signe. Là j'ai eu un son et c'est une cochonnerie. Voilà, une languette encore. Voilà, ça ça va à la poubelle. Allez, à tout de suite. Bon, alors là j'ai un son, donc je suis vraiment proche du bord, hein. Juste là le son est là, un son à 75. On va voir ça en direct si j'arrive. Là. Voilà. Je l'ai pas eu du premier coup. On va avoir du deuxième coup. Ah ça y est, j'ai plus de son dans l'eau, donc c'est qu'il y a là-dedans. On va voir ça ensemble. Ah, c'est une pièce. Voilà. Elle est juste là. Elle est là. Et c'est. Ouais, c'est 20 centimes d'euros. Ouais, c'est ça. Bon, c'est cool. Bon. On va continuer. Hein. Allez. Voilà, tout de suite. Donc là j'ai eu un son à 50, c'est dans l'appel, j'ai eu du premier coup. Donc, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que ça fait cette fois-ci? Oh, trop bien, une bague de nouveau. Oh putain, voilà. Ça m'a l'air fantasy. Ah peut-être si, enfin, je sais pas. Ça m'a l'air fantasy, mais je sais pas encore. Il y a marqué 55 à l'intérieur. Et il y a des poinçons. Ah non, il y a des poinçons. Oh, c'est trop bien ça. Super. Bon, bah, on va continuer. Hein. Trop, trop bien. Super. Je suis content là. Allez, à tout de suite. Donc là, j'ai de nouveau eu un son à 50, 55. Déjà creusé, j'ai l'impression que j'ai vu un truc. Ouais, encore une pièce, 2 centimes d'euros. Voilà, bon, bah c'est cool ça. Hein. Bonne petite journée hein, pour l'instant. Hein. J'ai fait que la moitié du lac hein, pour l'instant. Ça, c'est déjà bien. Deux bagues et quelques monnaies déjà, hein, c'est déjà bien. Et bon, quelques cochonneries, mais bon, voilà, ça va encore. Je trouve que t'es pas trop pollué encore.
Ça va, il y a eu pire déjà. Bon, allez, à tout de suite. Alors là, j'ai un son à 80-85, donc c'est déjà pas mal. Hein. On va voir ça. On va essayer de l'avoir du premier coup. C'est toujours ça qui est chiant dans l'eau. J'ai l'impression que je l'ai eu du premier coup là. Alors ça, c'est rare. Hein. Bon, on va continuer, on va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. Ouais. Une barrette à cheveux. Ouais, c'était que ça. Une petite barrette à cheveux. Ça, ça va à la poubelle. Allez, à tout de suite. Alors là, j'ai eu un son à 50. 50, 55. On va voir si je l'ai. Non. 53, ouais. C'est vers là, on va voir. Donc là, je suis vraiment au bord. Hein. Au bord de chez bord. Ça y est, je vais. Je suis vraiment au bord. Donc du coup, il est dedans. On va voir ça ensemble. Je pense que c'est une cochonnerie. Juste avant, j'ai eu une cochonnerie là. Généralement, c'est des déchets. Je vois pas encore. Beaucoup, beaucoup de cailloux. Hein. J'arrive pas à trouver. Ah. Si, c'est bon. C'est là. Un déchet. Et ça, ça coupe. Hein. Vraiment très très fort. Allez, à la poubelle et à tout de suite. Bon bah ça y est, là je suis allé du deuxième côté du lac. J'ai déjà fait ça, je suis à peine arrivé dans l'eau, j'ai trouvé ça. Voilà, bon, il me reste toute cette zone là à faire, puis après c'est fini hein. J'espère qu'il va pas flotter parce que là-bas à mon avis ça va pas tarder, donc je vais essayer de faire vite quand même. Bon, allez, à tout de suite. Donc là, c'est mon premier son, quasiment mon premier bon son, on va dire, où j'ai trouvé quelque chose, à peu près de correct, quoi, on va dire. C'est un petit diamant, on dirait, décoration. Voilà, je trouve dans la pelle, là. Donc, voilà, je commence à pleuvoir, là. Je commence déjà à fatiguer. Bon, allez, on va quand même continuer. Hein. Allez, à tout de suite. Alors là, j'ai eu un son à 80. J'ai eu du mal à l'avoir parce que je suis assez profond. Je suis à plus de 1m10 de profond. Là. Donc là, apparemment, c'est dans la pelle. On va voir ce que c'est. Alors, c'est pas ça. Ah, un déchet. Capsule. Allez, ça va à la poubelle. Allez, à tout de suite. Alors là, j'ai eu un son à 50-55. Déjà dans la boîte, on dirait. Ça m'a l'air d'être une branche de lunettes. Ouais, c'est ça. Petite branche de lunettes. Voilà, fantaisie. Tout de suite. Alors là j'ai un son 56 58, ça a pas l'air profond, on va voir ça.
ça a l'air d'être là, on va voir ça. J'espère que je l'ai du premier coup. En plus la terre elle est dure sous l'eau. Hein. C'est vaseux et c'est dur. Je pense que c'est sorti. Ouais, c'est sorti. J'ai le pull, il est trempé. C'est abusé. Allez. Allez. J'espère un petit truc bien là de nouveau, ça serait pas mal. On va faire le tri. C'est sorti, donc je sais pas trop ce que c'est. Caillou. Caillou, encore des cailloux. Ah. Ça y est, j'ai trouvé. Petite languette de coca. Je sais pas quoi. Voilà. Encore un déchet. Et je suis à 1 mètre. Voilà. 1 mètre 10. Hein. Je suis vraiment à la limite. Hein. Allez. À tout de suite. Voilà, j'ai un son là, ici. Vers là, voilà. 65, 72. Ouais, 60, 68. On va essayer là. Ça hésite un peu, mais bon. Pourquoi pas. On va essayer. C'est la merde là-dedans, putain. C'est parti. Oh purée, je crois que j'ai déjà vu quelque chose. Ouais, je crois que c'est sorti là. Ah, c'est ce que je crois. Ah bah non, je crois que j'ai mal vu. Ah bah si. Oh punaise. Un gros collier là. Oh la vache. Ah ouais, il est grand celui-là. Je sais pas si c'est en argent ou... Je sais pas. Ah ouais, c'est un sacré machin. Ah, c'est cool ça. Aujourd'hui, deux bagues et le collier. Ah, ça c'est cool ça. Franchement, super. Je suis content là. Non, on va continuer. Hein. Allez. Ouais, j'ai bien fait de creuser. Hein. Ça a hésité, mais bon. Comme quoi, des fois, quand ça hésite, vaut mieux creuser en fait. Allez. À tout de suite. Ça y est, j'ai enfin trouvé, j'ai galéré, hein, franchement. Donc là, on voit bien que c'est une pièce, elle est là au fond. Une pièce de 1 franc. Ouais, elle m'a bien fait galérer celle-là. Hein. Ouais, 1 franc. Ah. Allez, on va continuer. À tout de suite. Donc là, ça a sonné, j'avais un indice de 70, 72. C'est dans l'appel. On va voir ce que c'est. On va voir ça ensemble. Ah, cette monnaie. 10 centimes d'euros. Voilà. C'est bien, c'est déjà bientôt fini là. Je me rapproche de la fin là. Allez, à tout de suite. Alors là, j'ai eu un son, j'ai déjà creusé. Je suis vraiment au bord. Hein. Et là, regardez dans l'appel, ça commence là, elle est juste là. Là, hop, 50 centimes. Trop bien. Allez, à tout de suite. Alors là, j'ai eu un son à 80, 90. C'est dans l'appel. C'est vieux ça. Encore 50 centimes, un demi-franc. Ouais. C'est un demi-franc ça. Voilà. Bah, c'est cool. Oh, je suis en train de me faire saucer là, mais c'est pas grave. Mais bien là. Allez, je continue. Allez, à tout de suite. Alors là, j'ai un son à 60, 62. Ça m'a pas l'air profond, donc c'est peut-être un déchet, hein. On verra ça. C'est que ça a été soit perdu cette année, je crois que je l'ai eu du premier coup, je suis pas sûr. Hein.
tout le dos là. On va voir ça. Ah, encore une monnaie. Vous voyez là, ici. Ça c'est 10 centimes de francs 1995, j'ai l'impression. Ça date hein, tout ça. Hein. Allez, on va continuer. Allez, à tout de suite. Voilà, j'approche de la fin. Je suis retourné au même endroit qu'avant, hein, au premier endroit du lac. La première partie. Bon, là, je suis au début du lac, en fait, du coup, je suis vite retourné là, parce que cette zone, j'ai pas faite encore. Et là, j'ai un bon son. Attendez que je retrouve. Alors. C'est là, à 94-93. Je vais essayer, parce que je suis vraiment à la limite là. Hein. Si j'avance un peu plus, j'ai de l'eau qui rentre dans la combi là. Ça va pas le faire. Voilà, je pense que ça va être un des derniers trous quasiment que je vais faire. Parce que là, il va être 11h. Je suis quand même là depuis ce matin, vachement tôt. Attends, je vais voir si je l'ai pris le truc. J'espère, parce que là. J'ai encore un son un peu plus loin, mais là je pourrais pas. J'espère que c'est dedans. Voilà. Oh purée, ouais, c'est dedans là. Ah super, il y a un truc bien, il y a un truc glauque par contre. Là, je vois un os. Un os, super. Bon. Par contre, alors ça, franchement, une bague encore. Mais c'est génial ça. Super. Je suis super content là. Oh putain. Pardon. Ça c'est la troisième. Troisième aujourd'hui. Ah là, ça fait un moment qu'elle est dans l'eau ça là. Super. Je sais pas s'il y a des poinçons, on verra ça à la maison. Super, 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 super. Allez, bon, on continue. Hein, ou sinon je rentre encore, je sais pas, on verra. Super. Allez, à tout de suite. Donc ça y est, je suis rentré à la maison. Ça fait du bien de sortir, franchement, ça faisait très très longtemps que j'étais plus sorti, hein, quasiment plus de 6 mois, hein, facile. J'avais pas trop le temps, hein. Malheureusement, hein, des fois on a le temps, des fois on n'a pas le temps, donc voilà. Bref, donc là j'ai pu sortir, ça m'a fait du bien. Donc comme d'habitude, hein, des petites voilà, des cochonneries, des canettes, ça. Des petites languettes de coca, enfin un peu de tout, quoi, des trucs qui coupent, quoi. Au moins il y aura ça en moins dans l'eau. J'ai trouvé quoi encore? Un truc de lunettes là. Voilà. Là. Un franc. Voilà Marianne. Donc voilà, un franc. Je crois 1995. Ça c'est un demi-franc. Voilà. Là aussi, un demi-franc. Très très oxydé. C'est pas grave. Donc là, 10 centimes d'euros. 2 centimes d'euros. Là il y a 5 centimes, ouais, 5 centimes, là 50 centimes, celle-là elle avait bien sonné, une barrette à cheveux, un espèce de petit diamant là, la fantaisie, on voit bien là, voilà, là une bague, ça c'était vraiment le dernier trou que j'ai creusé hein, quand j'étais dans l'eau, franchement j'ai vraiment eu de la chance, hein. J'ai failli pas creuser, mais... C'était assez profond, plus d'un mètre de profondeur. Hein. J'ai pu l'atteindre quand même, malgré que je sois assez petit en taille. Donc du coup, j'ai pu la sortir. Franchement, j'étais super content. Elle est belle en plus, ça va. Je sais pas si c'est en argent. Donc je verrai. Je pense qu'elle est en argent un petit peu, je sais pas. Aucune idée. Par contre, celle-là, la petite chevalière, là. Oui, celle-là, elle est bien en argent, parce qu'elle était toute noire. Du coup là j'ai pu la réavoir et tout et c'est bien marqué le taux d'argent et il y a le poinçon. Cette bague là elle est très jolie. Malheureusement c'est une fantaisie parce qu'elle est très légère. Et il n'y a pas de poinçon, il y a juste marqué la taille dedans. Je crois que c'est 55. La taille de la bague. Et
Un énorme colis, alors ça c'est du lourd. Franchement, ça pèse. Et c'est en argent. Donc ça, c'est vraiment un sacré machin en argent, quoi. Il y a le poinçon, il y a le taux. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, cette sortie-là a été superbe. Moi, j'ai vraiment aimé, j'ai kiffé. J'espère que vous aussi, vous avez bien aimé. Donc du coup, ben, moi, je vous dis à la prochaine. Hein. Donc la prochaine vidéo, ça sera certainement aussi dans un lac, mais un autre lac. J'en ai visé trois en tout. J'en ai trouvé trois dans ma région que j'ai jamais fait et que j'espère que ça n'a jamais été fait. Comme ça, on fera de belles trouvailles. Et voilà, je vous ferai des belles vidéos. Et voilà, quand j'aurai le temps, j'irai là-bas. C'est promis. Allez les gars, allez, salut à tous. Ciao.